tourne une petite vidéo pour vous montrer le swap que j'ai reçu d'Hélène Elishabi. Nous étions en binôme pour le grand swap d'été sur le groupe Scrapez-vous. Nous devions réaliser un contenant de notre choix et dans lequel nous mettions différentes créations. Donc le swap d'été pour nous s'est transformé en swap d'automne car l'une comme l'autre on avait pris quelques retards. Mais nous l'avons enfin reçu et je vais pouvoir vous montrer ses réalisations. Donc j'ai ouvert mais je n'ai pas regardé de façon plus approfondie parce que je souhaitais le découvrir avec vous. Donc voici sa carte dans les tons rose, violet. Donc j'aime beaucoup ce que fait Hélène, hein. C'est entre mix média et shabby. Là on retrouve des fleurs, des papillons, un attrape-rêve en bois. Elle l'a mis sur différentes couches de papier, de la dentelle. Là, elle a fait de la pâte à texture, des ancrages et ces petites billes qu'elle rajoute souvent dans ses créations. Donc une très jolie carte. Merci beaucoup Hélène. Donc il y avait également ce petit fodori. Il était une fois le temps passé. Donc elle a mis des embellissements en bois, des fleurs, un petit embellissement étiquette métallique. Ici, une petite clé. Il est fermé par élastique. Donc la couverture est dans un joli papier motif. Je ne sais pas quelle collection. Tu pourras nous le dire en commentaire. Donc, et voilà l'intérieur. Elle y a mis un carnet. Et donc, c'est un système d'élastique. Je vais maintenant vous montrer sa boîte. Donc c'est une petite valisette qu'elle a altérée. Donc je ne sais pas, à mon avis c'est toi qui l'as fait, la fleur. Donc une fleur en tissu. Ici des embellissements en moulage, il me semble reconnaître le cœur de chez Stamperia. Là des embellissements métalliques. De la dentelle, différents papiers, des napperons. Elle les a travaillés à l'encre, à la peinture. Donc, et à l'intérieur, elle m'a mis plein de choses. Bah dis donc, tu m'as gâtée. Donc on va découvrir tout ça. Dans des petites pochettes en lin. Elle m'a mis des moulages. Oui, on s'était dit qu'on allait s'envoyer des moulages. Donc celui-ci. Celui-ci. Celui-ci en forme de serrure, des ailes, donc ça j'adore. Donc ça c'est le moule justement Stamperia qui a en vente sur la boutique Scrap Merveilleux.
Ouais, on se croirait à Noël, hein. Alors, une petite couronne. Le cœur couronné. Des arabesques. Donc ça, c'est super parce qu'on peut les réintégrer dans nos créations mix média. C'est toujours sympathique de s'échanger des moulages. Encore des ailes. Et un petit cœur avec une serrure. Alors, elle m'a mis également un ruban avec des petits pompons. Ah oui, alors ça, c'est le moulage de chez. C'est un moule de chez Samperia, réalisé avec une pâte qui est en vente également sur la boutique Scrap Merveilleux. C'est une pâte qui a une texture un peu caoutchouteuse, ce qui fait que les moulages prennent la forme que l'on veut. Et c'est bien sympa après pour rajouter sur des créations, notamment en mix média. Ça peut tout à fait prendre une forme courbe si on veut le mettre sur une bouteille ou autre. Je te remercie beaucoup. Elle m'a mis une petite passe à linge avec de la dentelle. Elle est jolie cette bobine. Avec du ruban en lin. Ici, elle m'a fait différentes fleurs en dentelle, un petit cœur et des embellissements métalliques. Et également une deuxième avec des fleurs encore qu'elle a fait. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer de plus près ces fleurs. Des fleurs chabi. Donc Hélène, je te remercie énormément pour ce superbe swap. J'ai été ravie de le faire avec toi. Et j'espère que c'est que le début de nos échanges. À bientôt !